Ne serait-ce pas l'odeur d'une bouse que je perçois ? Bouse fraîche, provenance mouton, femelle, 2 ou 3 ans d'âge, 2 kilomètres au nord, parfaite en route. Oula, 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 oula. C'est qui lui? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Attention, il va manger la bouse. Il est fou. Ah, enfin, un festin sur un lit d'herbe, exactement comme je les aime, et bien humide, c'est important, car j'en tire mon manger et mon boire. Attention, il va manger la bouse, il est fou. Il va manger la bouse, il est fou. Attention, il va manger la bouse, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, il va manger la bouse, il est fou. Quelle est cette étrange odeur chimique? Il est fou, il est malade, il est aliéné, il est bizarre, il est ma boule, il est fêlé, il est toc-toc, il a fondu la durite, il est possédé, il est dingo. Bon, il est fou, je vais le prévenir. Si j'étais toi, je ne mangerais pas cette bouse. Comment? Ah mais je te reconnais, toi. Toi aussi, tu vis en Afrique. Et même si tu t'appelles guépier, tu ne manges pas que des guêpes. Tu manges aussi des scarabées comme moi. C'est vrai, Scarabeus sacer. Mais de ce côté-ci de la Méditerranée, les troupeaux sont souvent vermifugés, traités avec des pesticides pour tuer les vers qui parasitent l'estomac des moutons. Si tu mangeais cette bouse, les produits chimiques qu'elle contient toujours ne manqueraient pas de te tuer. Et ta chair conserverait elle-même la nocivité du pesticide. Voilà pourquoi j'ai fait une croix sur les mangeurs de bouse dans ton genre. Non. Tu devrais aller au sommet du Ventoux. Il y a une bergerie où les bêtes ne sont jamais traitées pendant l'été.